chasing after this one. Test up. Comes to be dealt with as well. He's in a mace. Nope. That's good. Left back goal for it. James Hill has turned the wrong way. It's worked out okay for them. Frawley. Keep coming in. We're on five. We're on five. Just about get on. Yeah. Struck it okay. Crowd like it. And the touch judges agree. The centres to take on. Switzerland and Jonathan Doughty in particular, they'd be well capable. Good tackle from Jordan Armour. Trying to get away, the pass Switzerland to Astoy, was slapped down with a back for the first infringement. Well, Dreet into contact. And Depp slips the way to a scrum half. Here's the hooker, Latu. Tackle by. Oh, the upgrade is good. Hands it to Teddy Thomas. Almost broke away and gets it back to Campolo. So, Jenkins, ball off the top, Gibson Park, just turn it to check him slightly, Robbie Henshaw to get over that game. Bien chaud. Et Kellen Doyce, le capitaine du Leinster aujourd'hui, tombé sur Concourier. Bien surveillé par Pinvert avec un gros déblayage de McCarthy sur Smithon. Attention, il y a le feu dans la défense de La Rochelle avec cette accélération du Leinster. La charge de Jason Jenkins. Le duel, l'armoire contre Teddy Thomas. L'armoire qui raflute, l'armoire mis au Leinster vers l'extérieur peut-être, avec un dos contre un, et ça va être l'essai de James Lowe, le premier essai. Mais là, ça pourrait faire 10, si Byrne passe le ballon entre les barres, et bien ça fait 10-0, après 10 défense. Et ça c'est la fin d'action, le jeu de passe au contact, l'anticipation, il va falloir taper tendu bien à gauche, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il fait bien. Les premiers points de La Rochelle à 19e but, Rochelaise en tombant. Et on vient de trouver les Vanny Bautier. Attention à ses renvois, à l'accélération de Jordan Larmour, qui trouve le soutien de Porter. Et avec Gibson Park et Laurent Force qui marque. Oui, non. Gibson Park avec Sheehan. Sheehan qui rafute Teddy Thomas, il résiste, le talonneur irlandais. On se rapproche inexorablement de la ligne et encore un essai pour le Leinster. Oui, non, que dit monsieur Dixon? Pas d'accord, effectivement. Là. Ça gronde à Dublin, mais pas forcément le toucher au sol de la part de Gibson Park. Pour moi, il y a une mort avec Gibson Park, le coup franc contre les Rochelais. Attention, Frolet qui a été manqué deux fois. Il s'est tapé très tendu. Et il est très précis surtout, il ferme. Le renvoi, et avec encore Bautia, comme tout à l'heure, qui est venu. Ça s'appelle du réalisme. De l'opportunisme, appelez ça comme vous voulez, en tout cas ça leur permet tout. Presse va bondir sur ce ballon, et il le fait bien. Et il le fait bien. Et cette fois-ci, il l'a fait plus court, Rosburn, mais ouais. Pierre Barlow est... Byrne, avec ouais. James Lowe. Et il faut l'arrêter tout de suite parce qu'il est extrêmement puissant. Il tombe sur... Il connaît le chemin. Et même coup de pied, pas très haut, tendu. Bien droit, et ça passe. Position de hors-jeu, pourtant il a fait l'effort, m'a-t-il semblé. T'es protégé. Leeds. Sans faute de Dylan Leeds pour l'instant, le Sud-Africain dans son rôle de... Pas été vu. C'était limite. Allez, Grégory Aldrit pour faire avancer. Ça manque si ça sortait vite. Ouais, bah encore une position de hors-jeu, là, non, de Lowe. Qui avait vraiment anticipé. Tiens bien, le jeune Pinvert, c'est bien, et le ballon. C'est Carbarlo qui est récupéré par Carbarlo pour La Rochelle, mais encore une pénalité. Hors-jeu. Pour ça que le ballon est sorti assez rapidement. Ça semblait pas évident non plus, là, sur cette image. Hein. C'est pas clair. Ça semblait très très sévère. Hein. Et attention, c'est dangereux. Et la passe pour Gibson Park, l'essai de Gibson Park, il va faire très mal à La Rochelle. Tentative de transformation, il fait du 100%. Rochburn, excellent. Le ballon quitte la main. Non, il n'y a pas en avant, Laurent. Oh, bah non, il n'y a pas en avant parce que pour moi, intérieur plutôt, il ne sait pas prendre la petite. Ravoir le ballon, mettre vraiment, garder le ballon parce qu'on est dangereux quand on a le ballon, on a en multiple. Alignement cette fois-ci autour de Grégory Aldrit, on va déplacer la zone pour jouer le ballon porté, tout de suite écroulé avec une frappe de Grégory Aldrit, mis à terre par Tad Furlong. On n'arrive pas à jouer debout. Carbarlo qui s'isole un peu. Là, la pause. Light se revue à 23-13 grâce à ce travail de Sapp. Il est important cet essai Rochelais là sur la sirène, en tout cas même au-delà du temps. De retour en direct de la Viva Stadium de Dublin, quart de finale de Champions Cup. Le classique de ces derniers, de scruter les bravilles pour voir, comprendre d'où vient le vent, alors que c'est son jardin ici, la Viva.
et l'autre information. Et le coup d'envoi de cette deuxième période, 40 minutes et 10 points de retard pour les Rochelais. La touche, on est bon en touche, on est bon en conquête. Côté La Rochelle, le ballon ramassé par Grégory Hendrix. Des Irlandais, Gibson Park, Ross Bernard. Ouh, James Lowe, quelle passe pour Ryan Bird qui va retrouver intérieur et surtout qui casse le dernier plaquage et qui va marquer l'essai du Leinster. Grégory Hendrix. C'est un gros coup dur pour lui d'abord et aussi pour l'équipe de La Rochelle. Ouais, c'est encore une fois très bien tapé par Rosberg. Deux points de plus pour le Leinster. 43e tard, il est en retard. Aussi pour couper sur James Lowe et aussi pour aller prendre Doris. Trop aléatoire sa montée. Ils sont pas bien les Rochelais. Rosberg avec le retour intérieur. Alors qu'il y a encore un Rochelais à terre. C'est West. C'est Yaya West. Astoy, attention à ne pas s'isoler, il est tombé. Il était pas loin, Concorier, mais ça a été bien capté par Jason Jenkins. Ballon rapidement éjecté par Yaya Baren. La sautée d'Yaya West vers Teddy Thomas. Teddy Thomas qui est plaqué et qui est obligé. Yaya Baren, West, Astoy, Seteli. Avec le demi-mêlée, on décale vraiment toute la ligne. Avec Bern, le centre du terrain, avec encore Livani Botia qui lui vend autour du porteur. On se forme avec Josh Van Der Flier mis à terre. Et ballon dans les mains de Lowe avec Frobey. C'est un bon match à l'arrière, Frobey. Remplaçant Belkin avec Furlong en relais. Bern, Jordan Larmor qui peut accélérer. Larmor conserve. Et ouais, il semble au ballon quand même, j'ai dit qu'avec Encorier, après le plaquage positif de Boccia, et Boccia encore là, ensuite de ballon. Osborne, Van der Fier, jusqu'au bout, non, il s'arrête loin pour la sauter vers Chian qui va aller au bout et qui marque encore. Sur une équipe du Leinster, dominatrice, même si, petit événement, premier temps, il allait en avant. Ouais, votre défense de Concorier avec en avant, en revanche, par rapport au final perdu, qui est bloqué, Yaya Baren. On se regarde au West, Skelton qui avance, peut-être pour la première fois du match. On est tout seul, Noël. Un, deux, trois joueurs de Leinster qui le bloquent. Pour un point, Teddy Thomas, il n'est pas bon. Et si, il est bon pour Gibson Park. Intenable. Pierre Barlow pour les Rochelais. Frolet qui parvient à donner à la Toa. De Bern et la couvre. Pas de couverture. Le rebond est bon. Lowe qui récupère face à Noël et il y va en puissance. La tentative de Kieran Frolet tiens, qui a pris le relais de Bern et qui trouve le. Regardez Antoine Astoy, c'est même Yaya Baren qui se bat pour le couvert. Grand artisan quand même, il faut le dire, de ce Leinster là, de ce Leinster offensif. Ah, Jack Noël. C'est manqué par l'Espio, récupéré miraculeusement on va dire par Johan Tanga qui est sur le reculoir. Une fois contre le Leinster. Le Leinster qui manœuvre parfaitement aujourd'hui. Hendrix, Tanga, La Rochelle est en train de se faire sortir également de la Champions Cup. 27.